Alors voici notre nouvelle chèvrerie aménagée qui était à l'époque, enfin précédemment, celle de nos chèvres alpines. Alors, sortie de fumier à la main, obligatoire, qui prend beaucoup de temps. Et puis on a fait quelques petites réparations. On a mis les ampoules, un peu d'électricité. Au fond, étant donné qu'il y a juste un cagibi, mais le problème est un courant d'air avec la fenêtre qu'on peut voir qui donne sur l'écurie, on a fait une séparation pleine tout en laissant le haut ouvert pour une aération, puisqu'il n'y a pas de fenêtre sur ce bâtiment. Et mes filles, elles sont là que depuis 12 heures. Hein. Alors elles sont pas encore, elles ne se sentent pas encore bien chez elles. Certaines, comme Odysse, tremblent, elle est traumatisée de la séparation d'avec sa mère, malgré qu'elle soit née l'année dernière. Elle était encore avec sa maman. Non, ma fille. Alors, petit plan incliné pour descendre, parce qu'il y a une bonne cinquantaine de centimètres, une marche beaucoup trop haute pour nos minis. Une nouvelle porte qu'on a fabriquée. Vu que le mur n'est pas entier, je voulais pas que les chèvres sautent de trop haut ou balancent un chevreau qui serait arrivé à monter. On a fait un petit coffre, comme dit mon compagnon Eric. Un abreuvoir automatique qu'on a installé avec grande peine. Un escalier pour que les chèvres et les chevreaux puissent accéder à l'abreuvoir tant qu'il n'y a pas trop de fumier. Après, on le tournera dans le sens de la longueur pour qu'il ne marche juste à la hauteur. Il y a bien sûr une pierre de sel. Les râteliers. Je vais mettre quelques pierres ou cairons pour les plus petits afin qu'ils puissent accéder aisément au râtelier. On voit le chevreau qui se sert de ce marchepied. Je mettrai également une mini auge en bois devant ce râtelier de façon à ce que les animaux puissent aller et venir et qu'elle soit un peu plus basse éventuellement. Et les enfants. Et en dernier lieu, je vais mettre une lampe chauffante par ici à l'entrée pour que les chevreaux qui aient froid puissent venir éventuellement se chauffer dessous. Et il ne manquera plus qu'à faire une case de mise bas ou une case pour chevreaux selon les besoins, avec du foin à volonté. Et tout sera terminé. Allez, Titine, oh oui, on passe du temps pour arriver à vous faire ça. Ah oui, ben oui, j'espère que ça vous plaira. Ma petite Ova, elle était à la maison, petite Ova. T'as la chance.